Oh, c'est reparti. Je comprends pas ce qui t'énerve autant. Oh, attends. Comprendre n'était pas le bon verbe employé. Je voulais dire que je me fiche que ça t'énerve autant. Salut, vous deux. Est-ce que tout va bien? Je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Sans parler du fait que tu as pris ma hallebarde sans me demander, j'ai retrouvé tes poils de barbe tout gras dessus. Non, mais comment oses-tu? Premièrement, je n'ai pas touché à ta hallebarde. Et deuxièmement, c'est quoi une hallebarde? Oh, d'accord, c'est ça une hallebarde. Ok, d'accord, un point pour toi. Mais regarde comme je suis bien rasée. Une vraie peau de bébé. Ou une peau d'âne. Ça suffit. Allez, tous les deux, prenez une grande inspiration et expirez. En plus, je t'ai demandé plusieurs fois si je pouvais m'en servir. Et je t'ai dit non à chaque fois. Mais peu importe, puisqu'on sait tous les deux que je ne t'écoute pas. S'il vous plaît, calmez-vous maintenant, c'est ridicule. Eugène, une hallebarde ne peut être maniée que par un guerrier émérite. Eh ben c'est exactement ce que je suis. Tu oublies que Flynn Rider sait manier toutes sortes d'armes. Oh. Ah, t'es loin d'être au point, Eugène. C'est cette hallebarde qui ne va pas. Non, paniquons pas, même si c'était le vase préféré de mon père, il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Hé, j'ai une idée, Eugène. Pourquoi tu n'en volerais pas un autre? Oh, oh, attends, attends. Tu ne peux pas, car c'est un vase unique au monde. On prononce vase, pas vase, Cassandra. Oui, vase, vase, ma langue à fourcher. Ce qui est sûr, c'est que le roi va tout de suite voir qu'il a disparu lorsqu'il viendra dîner ce soir. Tu vas avoir des ennuis. Tu adores me faire passer pour un idiot devant le roi, n'est-ce pas? Oh non, pas besoin, tu t'en sors très bien tout seul. Eh ben, je te remercie. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne supporte plus de les entendre se disputer, Pascal. Pourquoi Cassandra et Eugène n'arrivent-ils pas à s'entendre? Ils sont tous les deux attentionnés, aimants, ils ont de la considération pour les gens et pour ceux qui sont là pour ramasser leurs bêtises. Je suis sûre qu'ils deviendraient de très bons amis s'ils cessaient de se disputer et qu'ils passaient du temps ensemble. Oh! Mais attends! Mais oui, c'est ça, j'ai trouvé! Je vais les aider à passer plus de temps ensemble! On y va! Qu'est-ce que c'est ?